تقبل رئيس الجمهورية السيد محمد عبد العزيز عند وصوله مطار مدينة خاي من طرف نظيره المالي السيد إبراهيم بوبكر كيتا. وبعد الاستماع إلى النشيدين الوطنيين الموريتاني والمالي، استعرض رئيس الجمهورية تشكيلة من القوات المسلحة المالية أدت له تحية شرف. ثم صافح رئيس الجمهورية كبار مستقبليه من أعضاء الحكومة المالية والشخصيات الرسمية. رئيس الجمهورية كان موضع استقبال شعبي حار، أراد من خلاله سكان خاي من الماليين التعبير عن متانة العلاقات بين البلدين، كما أراد من خلاله أفراد الجالية الموريتانية التعبير عن تثمينهم لما حققته البلاد من إنجازات شملت مختلف مناحي الحياة. رئيس الجمهورية السيد محمد عبد العزيز الرئيس الدوري لمؤتمر رؤساء دول وحكومات البلدان الأعضاء في منظمة استثمار نهر السنغال، أشرف إلى جانب وضعائه من بلدان المنظمة على تدشين محطة أفيلو الهيدروكهربائية. وتابع سيادته عرضا مفصلا عن المحطة وقدرتها الإنتاجية ودورها في سد العجز المسجل في الطاقة في دول المنظمة. وبعد هذا العرض تجول رئيس الجمهورية في مختلف أجنحة المحطة. ثم أدلى بتصريح للصحافة الوطنية والدولية أعرب من خلاله عن الغبطة والسرور بهذا الإنجاز. Les efforts consentis par nos États à construire cette centrale extrêmement importante et qui va combler en partie les grands déficits de nos pays à l'énergie. Nous sommes très fiers, nous sommes très heureux d'inaugurer cette centrale qui va alléger les souffrances de nos populations. On ne peut pas être fiers et nous en félicitons. C'est l'effort de nos États et puis c'est un autre jalon encore par les grandes réalisations de notre organisation qui a souvent continué à œuvrer pour la stabilité, pour le développement économique. في بلدة غوينا أشرف رئيس الجمهورية على وضع حجر الأساس لمحطة غوينا الهيدروكهربائية التي تشرف شركة سوجيم على إنجازها بتمويل صيني، وينتظر أن تكتمل الأشغال فيها بعد 42 شهرا من الآن. وفي حبل بالمناسبة، أشاد رئيس الجمهورية بالنجاحات الكبيرة التي حققتها المنظمة وشكر الشركاء الفنيين والماليين. D'abord avant de commencer mon discours, je tiens à rendre ma parole à celle de mon frère le président Ibrahim Boubacar Keïta pour présenter à mon tour aussi les condoléances du peuple mauritanien et de son gouvernement à notre cher frère, le président Macky Sall, à l'occasion du décès de deux soldats sénégalais qui sont morts pour la liberté, qui sont morts aussi pour défendre un pays frère, un pays ami, contre le terrorisme, contre l'obscurantisme, contre ce phénomène que nous combattons, que nous avons combattu jadis et que nous continuerons toujours à combattre, conscient du fait que c'est un phénomène qui ne connaît pas de frontières. Merci. Excellences et chers frères, messieurs les présidents, Macky Sall, président de la République du Sénégal,
Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République du Mali, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre de la République de Guinée, représentant notre frère, le Président de la République de Guinée, Alpha Condé. Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le Haut-Commissaire de l'OMS, Mesdames, Messieurs les chefs de mission diplomatique, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations internationales et des partenaires au développement, Monsieur le Gouverneur de la région de Kai, Messieurs les maires des communes de Hawa, d'Ambaya et de Djamou, Mesdames et Messieurs, c'est pour moi un grand plaisir et à la fois un privilège d'adresser au nom de mes pères de la Guinée, du Sénégal et à mon nom personnel nos sincères remerciements à Son Excellence Monsieur Ibrahim Boubacar Keïta, Président de la République du Mali, et à travers lui au peuple et au gouvernement malien pour l'accueil chaleureux et fraternel et l'hospitalité généreuse dont nous avons été l'objet depuis notre arrivée dans cette belle région de Kai. J'ai saisi cette occasion pour saluer la détermination du peuple malien et de son gouvernement à installer la paix et à consolider l'unité nationale pour faire face aux graves menaces qui ont pesé sur notre sous-région. Unis avec le Mali par une communauté de destin, les États de l'OMVS lui ont apporté leur soutien et continueront à faire preuve de solidarité avec les peuples frères maliens. Excellences, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, il y a un peu plus de 4 ans, le 30 octobre 2009, les populations de la commune rurale de Hawa d'Ambaya et l'ensemble des populations du Mali nous ont réservé à moi-même et à mes pères de l'OMVS un accueil inoubliable à l'occasion de la cérémonie de pose de la première pierre de l'aménagement hydroélectrique de Felou et de lancement de l'offensive santé. Aujourd'hui, je suis heureux de constater que ce projet a été réalisé avec succès, offrant ainsi à nos populations et à nos économies respectives une production d'énergie supplémentaire annuelle de plus de 330 gigawatt-heure. C'est le lieu pour moi, en ma qualité de président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de notre organisation commune, de remercier en votre nom tous ceux qui ont contribué à la réalisation de cette œuvre grandiose, en particulier nos partenaires techniques et financiers pour leur soutien et leur accompagnement dans la réalisation de l'aménagement des Felou dont nous venons de procéder ce matin même à l'inauguration. Excellences, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, nous nous retrouvons de nouveau dans la même région de Kai pour poser un nouveau jalon dans notre œuvre commune en procédant grâce à la coopération mutuellement avantageuse entre nos États et la République populaire de Chine au démarrage des travaux du complexe hydroélectrique des chutes de Guina, avec une puissance installée de 140 MW et un productible annuel estimé à plus de 500 gigawatt-heure. Encore une fois, le fleuve Sénégal en partage entre nos États nous offre le moyen de nous doter de sources d'énergie propres et bon marché. Nous continuerons à bâtir ensemble des ouvrages aussi importants dans le haut et le moyen bassin du fleuve, Koukoutamba, Bourreya, Kourbassi et bien d'autres. Notre espace OMVS recèle également d'autres ressources énergétiques importantes. Dans ce cadre, l'exécution en cours du projet de production d'électricité à partir du gaz mauritanien permettra de mettre à disposition de l'OMVS, de l'espace OMVS, dès l'année prochaine, d'importantes capacités de production d'électricité et même de contribuer significativement à la résorption du déficit énergétique de la sous-région.
Il nous appartiendra donc ensemble de créer le cadre adéquat pour optimiser l'utilisation de nos ressources propres dans l'intérêt de nos populations. C'est le gage de la réussite et le socle idéal pour le développement harmonieux de notre région. Notre agence d'exécution spécialisée devra faire prendre à notre organisation toute sa place dans la réalisation du marché énergétique sous-régional. Excellences, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, depuis la rencontre au sommet qui nous a réunis le 25 mars dernier à Nouakchott, nous avons engagé un processus de construction d'infrastructures, mais aussi de nouveaux programmes ambitieux de lutte contre la pauvreté dans notre espace OMVS. C'est dans ce cadre que s'inscrit le démarrage actuel de Guina qui contribuera à mieux orienter nos efforts vers l'amélioration des conditions de vie de nos populations les plus vulnérables au bassin du fleuve Sénégal. Le projet de gestion des ressources en eau du fleuve Sénégal, PGIR, a permis, dans sa première phase, entre autres objectifs, de mener des actions concrètes de lutte contre la pauvreté. Ceci a d'ailleurs conduit au financement d'une seconde phase encore plus importante au bénéfice de nos populations. Excellences, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, notre organisation n'a cessé de se moderniser et de se renforcer. Nos partenaires techniques et financiers sont restés mobilisés pour appuyer nos efforts dans les domaines de l'énergie, du transport, du développement agricole et du développement social. Nous nous devons de préserver et de consolider ces acquis en mettant au cœur de notre démarche la question centrale de la gouvernance et de la gestion efficace de la ressource en eau, question sur laquelle repose tout notre processus de développement solidaire. Voilà, à mon sens, des choix indispensables à la continuité de notre entreprise. Entreprise bâtie sur la volonté de mettre en commun nos ressources dans une démarche solidaire, consensuelle et équitable pour le grand bonheur de nos populations. Excellences, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, je remercie encore une fois le Président Ibrahim Boubacar Keïta et la population de la région de Kaï pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité généreuse dont nous avons été l'objet. Vive l'OMVS, je vous remercie. الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيسا ثمن عاليا مشاريع منظمة استثمار نهر السنغال مبرزا دورها في تحسين ظروف السكان. Avant de commencer mon propos, je voudrais rendre hommage à deux fils d'Afrique, à deux fils du Mali, à deux fils du Sénégal tombés en terre malienne pour le salut du Mali. Membres de l'aménagement, ils ont perdu la vie le samedi 14 décembre lors d'un attentat terroriste lâche et barbare à Kidal, dans le nord du Mali. Je voudrais ici dire toute mon émotion, et présenter mes condoléances les plus sincères aux familles des victimes, ainsi qu'à l'aménagement, au peuple sénégalais, et à mon frère le président Macky Sall, au nom du peuple malien et à mon nom propre. Ils sont morts pour le Mali et nous ne l'oublierons jamais. Et nous ferons en sorte qu'ils ne soient pas morts en vain. Kidal Macky sera dans le giron du Mali. Inch'Allah. Le Mali restera un et indivisible, que nul n'en doute. Je l'ai dit à travers le monde, je le répète ici. Je ne négocierai plus avec un groupe armé. Ceux qui veulent la paix négocieront sans armes avec le gouvernement du Mali. Aucun rebelle ne saurait se hisser à ma hauteur pour discuter d'égal à égal. Cela n'est admis nulle part et cela ne sera pas admis par le gouvernement du Mali, par le soldat du Mali que je suis.
Je le dis et je le répète. Il suffit. En leur mémoire, je vous demande de servir une minute de silence. Merci. Cet acte odieux que je condamne avec la plus grande fermeté nous commande d'intensifier la coopération régionale et internationale et d'engager tous les moyens possibles pour lutter contre le fléau terroriste. Le peuple malien sait pouvoir compter sur les pays frères ici présentés, la Guinée, la Mauritanie, le Sénégal. Mesdames et messieurs, chers frères, chers sœurs, ce jour, 17 décembre 2013, est une date historique à inscrire en lettres d'or dans les annales de nos pays membres de l'Organisation de la mise en valeur du fleuve Sénégal, OMBS. En effet, nous inaugurons aujourd'hui le barrage hydroélectrique de Fellou, nous venons de le faire, qui apporte à nos États une capacité supplémentaire de 60 MW et nous sommes en train de le faire, les travaux d'aménagement hydroélectrique de Gouina, dont l'apport sera de 140 MW. Cette journée est donc le symbole de la réussite de notre outil commun, le MBS, un modèle d'intégration régionale en Afrique et qui chaque jour contribue à renforcer les liens séculaires d'amitié et de fraternité entre nos peuples. Ainsi, à l'occasion de cette cérémonie exceptionnelle, permettez-moi, au nom du peuple malien, du gouvernement et aux miens propres, de vous souhaiter la bienvenue chez vous. Ici, vous êtes non seulement au Mali, vous êtes en terre inverse, vous êtes chez vous. Mesdames, Messieurs, chers amis, mes chers frères, Abdelaziz, Maki, Saïd, pour nous Maliens, cette journée est aussi le témoignage que notre pays, blessé pendant des mois, meurtri et affaibli, a su trouver en lui, avec l'appui de nos amis et frères, les ressorts pour se relever et reprendre sa marche en avant vers le développement au bénéfice des populations de nos trois pays et singulièrement du nôtre. Et il faut remercier nos pays frères pour leur sens de la solidarité, pour la mutualisation de nos potentiels. C'est l'occasion pour moi, une nouvelle fois, de remercier la communauté internationale et tous les pays de la sous-région pour leur solidarité envers le Mali. Mesdames et Messieurs, le cadre d'orientation stratégique qui avait été convenu lors des 14e et 15e sommets de la conférence des chefs d'État et de gouvernement devait permettre à l'OMBS d'intensifier la mise en valeur des sites hydroélectriques et d'accroître la production hydroélectrique pour créer un environnement favorable à la baisse maîtrisée des coûts de production de l'électricité. Les présentes cérémonies concrétisent donc les efforts déployés par l'OMBS dans la mise en œuvre de cette feuille de route pour répondre aux nouvelles exigences d'un développement durable, solidaire et participatif du bassin partagé entre nos quatre États. Notre rencontre se tient à un moment crucial de l'histoire de nos pays et de l'Afrique, caractérisée par la convergence des crises énergétiques, alimentaires et financières. Devant les déficits économiques illustrés par la variabilité des prix du pétrole, de l'énergie, plus que tout autre, le secteur de l'énergie plus que tout autre doit être placé au cœur de nos priorités. Notre héritage commun, le fleuve Sénégal, nous offre ainsi l'opportunité de produire à moindre coût une électricité propre, respectueuse de l'environnement et de la qualité de vie des populations riveraines. Grâce au capital confiance dont nous jouissons auprès de nos partenaires techniques et financiers, nous bénéficions de leur appui constant dans le domaine des aménagements structurants. Aussi, permettez-moi de remercier particulièrement la Banque mondiale, la Banque européenne d'investissement, l'Exim Bank de la République de Chine, l'Agence française de développement et la KfW allemande
pour leur précieux concours financier. Nos remerciements s'adressent également à l'entreprise Sinohydro et au groupement d'ingénieurs Conseil Actelia AECOM, qui, malgré un contexte particulièrement difficile, ont su mener à terme la construction de l'aménagement hydroélectrique de Felou, que nous venons de visiter et d'inaugurer. Mesdames, Messieurs, l'OMVS a intensifié la mise en œuvre des projets de préservation de l'environnement du bassin, de développement communautaire et de lutte contre la pauvreté, afin d'amener la croissance dans la sphère économique des collectivités locales du bassin du fleuve Sénégal. Notre organisation est un exemple unique. Notre frère Comara l'a dit avec beaucoup de brio, notre organisation est un exemple unique d'une coopération régionale réussie en matière de mise en valeur des ressources d'un fleuve partagé. C'est pourquoi l'OMBS et ses ouvrages font la fierté de nos quatre États et demeurent une réponse durable aux défis de développement qui se posent à nous tous. Je voudrais, avant de terminer, réitérer nos félicitations et encouragements à l'ensemble du personnel de l'OMBS et particulièrement à son haut-commissaire, mon frère le Premier ministre Kabiné Coumara, dont je connais l'engagement et la détermination. Vous en avez eu un avant-goût aujourd'hui. Vive la solidarité régionale, vive une intégration réussie dans une OMBS plus forte et plus dynamique. Vive les peuples de Mauritanie, du Sénégal, de Guinée et du Mali. Merci. المفوض السامي لمنظمة استثمارين للسنغال وفي كلمته بالمناسبة أشاد بالتدخل الشخصي لرئيس الجمهورية من أجل إنجاز هذا المشروع مثمنا تجربة بلادنا الفريدة في المنطقة في استغلال الكهرباء انطلاقا من الغاز وانعكاسات ذلك إيجابيا على دول منظمة استثمار نهر السنغال. L'OMVS est aussi une organisation venue à la matière. Pourquoi? Parce que la courageuse initiative entreprise par le gouvernement mauritanien qui vient de découvrir du gaz dans le gisement de Banda, de ne pas exporter le gaz en l'état, mais de le transformer en énergie sur place, est à saluer. Je vous demande d'applaudir la Mauritanie pour cette initiative extrêmement salvatrice et novatrice. Ce projet va permettre de produire de l'énergie à partir du gaz pour la première fois dans nos zones à un prix abordable et qui va permettre substantiellement, je le dis, de faire face au déficit énergétique et de la Mauritanie et du Sénégal et du Mali. En cela, nous espérons que le réseau qui va le charrier sera couplé avec celui de l'OMVS pour que nous restions dans l'esprit d'intégration qui a été défini par le père fondateur. المدير العام لشركة سوجيم يتحدث في سياق المقابلة التالية عن هذه المشاريع ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وخلال مؤتمر صحفي مع نظيره المالي والسنغالي شدد رئيس الجمهورية الشكر للشعب والحكومة الماليين على حسن الاستقبال وكرم الضيافة وأكد عزم قادة منظمة استثمار نهر السنغال على العمل من أجل تعزيز الاندماج والتكامل بين الدول الأعضاء ذلك ما تمليه يقول رئيس الجمهورية روابط المصير المشترك وعلاقات الأخوة والصداقة بين شعوب ودول المنطقة وأضاف رئيس الجمهورية إن منظمة استثمار نهر السنغال تشكل إطارا جيدا للتعاون ومثالا يحتذى وتحدث الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا عن منظمة استثمار نهر السنغال وما حققته من إنجازات هامة بفضل تصميم القادة والتنسيق بين حكومات الدول الأعضاء أما الرئيس السنغالي سيد ماكيسال فقد شكر رئيس الجمهورية الرئيس الدوري للمنظمة على جهوده لتحسين أداء المنظمة وعبر عن ارتياحه البالغ لتدشين محطة أفيلو ووضع الحجر الأساس لمحطة غوينا وقال إن هذه المشاريع ستسهم في الرفع للمستوى المعيشي للسكان وفي مطار خاي وقبيل المغادرة يصطف الجموع من المواطنين
الموريتانيين والماليين لوداع رئيس الجمهورية. وعند سلم الطائرة ودع رئيس الجمهورية من طرف الرئيس المالي محاطا بأعضاء حكومته.